Bonjour, nous recevons aujourd'hui Aurélie Eliam qui nous a fait le plaisir de nous rendre visite sur le plateau d'African Woman 2.0. Aurélie a plus de 12 ans d'expérience dans le monde du cinéma. Elle a notamment tourné dans la série Dr. Boris qu'il a lancée en 2008 avant de tourner dans le film The CEO sur Netflix. Bonjour Aurélie. Bonjour Aïssata. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Aurélie. Oui. Alors, tu es actrice, tu as été un moment mannequin. Tu es agent immobilier aussi. Alors, parle-nous un peu de ce qui t'a d'abord amené dans le monde du cinéma. D'accord. Alors, on va dire que depuis très jeune, j'ai toujours voulu déjà être mannequin. Voilà. Malheureusement, j'ai été confrontée au refus de mon père qui insistait pour que je finisse d'abord mes études. Donc, dans les négociations que nous avons, il m'a dit « bon, aie au moins le bac avant de commencer ». Donc, c'est quand j'ai eu le bac que j'ai commencé à faire des castings pour des campagnes de pub, etc. Mon premier défilé, c'était pour, à l'époque, une dame que j'aime beaucoup, qui s'appelle Corinne Azoumé. Donc, c'était un défilé qui mettait en avant ses créations, parce qu'elle faisait beaucoup de décorations en céramique. Et justement, après ce défilé-là, l'image donc, du défilé où je passais avec ce vase-là a été sélectionnée pour une campagne publicitaire à grande échelle dans tout Abidjan. Donc ça, ça a été ma première apparition, on va dire, dans le monde du mannequinat et du modeling. Ensuite, j'ai fait d'autres castings. Je suis rentrée dans une agence de management. Où effectivement on me trouvait des marchés. J'ai ensuite fait des campagnes de pub pour des marques, voilà. Et ensuite, pendant que je faisais justement ces castings, un réalisateur m'avait dit que il me trouvait vraiment très à l'aise à la caméra et il m'avait vraiment motivée pour que je puisse vraiment aller plus loin. Au-delà du modeling. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des castings pour des séries. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. Bon, d'abord, ça n'a pas marché. Et ensuite, il y a eu Dr. Boris, où j'avais été sélectionnée pour être donc l'actrice principale. Et c'est ce qui m'a propulsée, on va dire. Et qui, depuis lors, voilà, fait que là, je suis là aujourd'hui. Voilà. En fait, tu voyais une carrière de mannequinat, mais pas actrice du tout. J'avoue que je me voyais beaucoup plus dans le modeling à l'époque. J'étais même prête à faire Miss Côte d'Ivoire. C'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais j'étais prête à le faire et ça a été refus catégorique de mon père. Donc j'ai été obligée de, comme on dit, de manager doucement et c'est pour ça que je suis partie dans tout ce qui est modeling et campagne publicitaire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on me disait déjà que je faisais un petit peu la pitre à la maison, que j'aimais bien imiter tout le monde, quand ma mère s'énerve, après quand je lui dis voilà comment tu t'énerves, elle commence elle pleure de rire parce qu'elle se rend compte que... Tu savais déjà un peu ce petit talent d'actrice, mmh. Voilà. Et ça m'a été révélé par vraiment des personnes qui m'ont dit vas-y, il faut que tu y ailles jusqu'au bout et voilà. Donc sinon au départ, c'est vrai que c'était beaucoup plus le modeling qui m'attirait. Tu as tourné d'abord dans Dr. Boris. Comment cette expérience a été pour toi? C'était ta première fois d'être dans un film. Comment tu as vécu cette célébrité? Qu'est-ce que tu as attiré de cette première expérience? Ma première scène, c'était avec une dame que j'admire énormément, que je voyais déjà dans Faux pas fâché. Je me suis retrouvée dans un univers de personnes que je ne voyais qu'à la télé. Donc j'étais très impressionnée. Donc pour moi, c'était vraiment une double pression. Voilà. Mais par contre, ça s'est très très bien passé. Ahmed Souané, paix à son âme, qui était justement Dr. Boris, m'a vraiment, on va dire, m'a donné des conseils. Quand on était dans les backstage, je me disais fais comme ci, fais comme ça, ne t'inquiète pas, etc. Donc j'ai été vraiment chouchoutée par cette équipe à l'époque. Et non. Et puis bon, comme on dit, comme c'était quelque chose qui était vraiment naturel pour moi de jouer, c'était quelque chose qui était inné en moi, donc c'était pas si compliqué de tourner, mais ça s'est bien passé. Et tu as aimé l'expérience, puisque après adoré. J'ai adoré l'expérience au point où aujourd'hui, quand je ne suis pas sur un plateau de tournage, je me sens pas. Ouais. Donc finalement, je me sens pas vivre en fait. Oui. Hein. Et finalement, ouais. Donc tu as décidé de cette partie de mannequin modeling, ça s'est un peu passé en arrière-plan.
C'est à ce moment-là en arrière-plan. Mmh. J'avoue, c'est passé en arrière-plan. Mmh. Mais on va dire que l'un va avec l'autre. Mmh. Parce que effectivement, grâce à ma notoriété, j'ai quand même aussi. Il y a eu quand même des annonceurs qui m'ont proposé d'être leur égérie. Donc l'un allait avec l'autre. Et jusqu'à présent d'ailleurs, hein, je continue de faire des shootings pour des marques grâce justement au cinéma. Super. Mmh. Dis-nous un peu, une actrice de cinéma gagne-t-elle bien sa vie? Ça, c'est la question de celles qui te regardent et qui veulent rentrer dans ce milieu. Alors, je vais dire oui et non. Oui, s'il y avait des opportunités tout le temps, si on était sur des plateaux de tournage toutes les semaines, tous les mois, ça pourrait faire gagner de l'argent. Par contre, les opportunités, on n'en a pas tous les jours, ce qui est dommage. L'industrie du cinéma, aujourd'hui, il ne voit rien hein, de manière générale. Et en plein développement, ce n'est que maintenant, après la crise politique qu'il y a eu en 2010, que les choses ont repris. Et donc, ce n'est pas évident, effectivement, d'avoir des opportunités tout le temps. Donc, effectivement, je remercie d'un côté aussi mon père, qui m'a toujours dit qu'il faut toujours quand même avoir un background scolaire. Donc après ça quand même, malgré que je faisais docteur Boris, j'ai quand même continué mes études, j'ai eu un BTS en communication d'entreprise et j'ai été aussi commerciale dans des boîtes, entre parenthèses, avant vraiment de me mettre à fond, bon, après dans l'immobilier, mais on va en parler. Et donc comme je dis, ça peut rapporter si on y est tout le temps. Mais malheureusement, on peut avoir le talent, mais on peut ne pas avoir le profil qui correspond à un caractère. Donc quand on fait des castings, on peut ne pas être retenu tout le temps. Donc c'est quand même très important d'avoir quelque chose à côté qui nous permette de vivre, comme on dit, et de payer ses charges. Mais effectivement, quand on est acteur, on va dire, confirmé et qu'on est sélectionné pour un rôle, oui, quand ça rentre, on dit pas non, quoi. On dit oui, très bien. Mais par contre, au début, je préfère prévenir qu'au début d'une carrière pour tout acteur, c'est forcément pas évident. Souvent, il peut y avoir des fois où on peut même tourner gratuitement, rien que pour avoir de la visibilité. Mais ce sont des choses que je ne conseille plus de faire, même à certains jeunes acteurs. Parce que il faut quand même si c'est rien, mais il faut quand même qu'on vive de, qu'il ait quelque chose de quoi, voilà, vivre de notre art. Et malheureusement, il y a souvent certains producteurs qui ne sont pas forcément, comment je dirais, qui n'ont pas la gratitude, la reconnaissance du travail d'un acteur qui est vraiment un travail très difficile. Et c'est pour ça que je dis que même quand on débute, même si c'est, comme on dit, entre guillemets, le transport ou qu'on te donne quelque chose, demande quelque chose parce que ça ne sert à rien de, voilà. Mais, voilà. Absolument, oui, mais en fait, on parle beaucoup de ça, le fait que les acteurs africains ne sont pas bien payés, en fait. Les acteurs ont du mal à vivre de leur art. Ouais. Bon, c'est vrai parce que peut-être il n'y a pas autant de films que ça, c'est vrai, mais aussi même les cachets, qui restent relativement bas aussi par rapport à... Bon, bien sûr, on compare à l'Occident. C'est ça, oui, bon, bien c'est sûr. C'est sûr qu'on ne peut même pas comparer. Non, parce que vrai. Réellement, un acteur en Occident peut vivre de son art. Même s'il a peut-être deux ou trois opportunités, il peut vivre de ça. Ici, même avec deux ou trois opportunités, on ne peut pas forcément payer toutes ses charges. C'est ce qui est effectivement dommage, parce que l'industrie cinématographique en Europe ou aux États-Unis est vraiment très très bien organisée. En France, il y a ce qu'on appelle les congés spectacles, qui permettent par exemple à un acteur qui ne tourne pas de pouvoir quand même recevoir de l'argent. Il y a aussi les droits voisins que les acteurs perçoivent en plus du cachet, que les acteurs perçoivent lorsque un produit ou une série télé est commercialisée ou est vendue ou achetée par une télévision. Donc, au-delà du cachet du travail qu'il fait, initial, il reçoit aussi ce qu'on appelle des droits voisins pour justement le travail qu'il fait. Ici, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce n'est que maintenant que le Burida, justement, est en train de se battre pour que les télévisions puissent justement rémunérer les acteurs pour justement ce problème de droits voisins. Et donc, il y a énormément de travail à faire pour justement permettre à l'acteur de vivre en Côte d'Ivoire. Il y a des associations qui ont commencé à naître récemment et que j'encourage justement pour que nous, les acteurs, justement, on puisse, comme on dit, être à l'aise, même quand on ne tourne pas. Voilà.
Et c'est, je pense que la même chose aussi pour les chanteurs aussi. Non, alors les chanteurs, c'est différent parce que je pense que les chanteurs sont beaucoup mieux rémunérés, beaucoup plus à l'aise. Parce que lorsqu'on met une musique, par exemple, dans un endroit public, forcément, il y a un membre du Burida qui est capable de venir éteindre si on n'a pas payé ses droits-là. Alors qu'on ne peut pas, on ne peut pas couper une vidéo qui passe à la télévision. C'est, donc c'est vraiment ça. Mais je sais qu'aujourd'hui, le Burida est en train de vraiment lutter pour nous. Et je les encourage aussi, ils m'écoutent. Voilà. Allez-y, le Burida. Penses-tu que les Africains ont leur place dans le monde cinématographique, mais pas seulement en Afrique, hein, mais même à l'extérieur? Ou y a-t-il encore beaucoup de discrimination? Alors ça, c'est une question, c'est vrai, intéressante. Je pense que les Africains ont leur place dans le monde du cinéma de manière internationale. Le seul souci, c'est qu'effectivement, si nous-mêmes, en tant qu'Africains, on n'est pas organisés pour pousser justement ces talents vers cette industrie, on aura du mal. Je reviens encore à certains détails qui malheureusement devraient avoir en Afrique, c'est par exemple avoir des agents d'acteurs. Il y a des managers pour les artistes chanteurs, mais il n'y a pas d'agents, comme il n'y a pas forcément de personnes, des agents qui sont capables de pouvoir pousser un acteur vers des castings internationaux. Il y a malheureusement ce manque-là. Même dans, par exemple, je pense au cinéma nigérian, par exemple. Oui. Le cinéma nigérian est un peu plus, on va dire, pour avoir une expérience là-bas, c'est un peu mieux développé. Mm-hmm. Il y a des agences de management d'acteurs, mais en Afrique francophone, ce n'est pas encore le cas. C'est un peu rare. Il y a des agents peut-être qui s'occupent de carrières d'Africains en France, en Europe, mais des agences qui pourraient tirer un acteur ici pour aller à l'étranger, non. Donc ce qui aujourd'hui justement, je remercie Guy Kalou qui dit toujours cette phrase, c'est plutôt nous qui devons nous pousser, c'est plutôt l'Occident qui doit venir à nous au travers de nos projets, au travers des films que l'on fait. Et effectivement, je pense qu'un jour, pourquoi pas, un agent pourrait justement voir un acteur et dire « Ah, celui-là, il a du talent, je veux travailler pour lui ». C'est un peu comme ça que ça se passe. En général, c'est l'agent qui vient vers le talent plutôt que l'inverse. Souvent, le talent peut chercher l'agent. Donc, si le talent a du talent, comme on dit, l'agent peut effectivement le prendre sous son aile. Mais comme je dis, c'est encore une industrie en plein essor en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone. Mais on espère que les choses vont changer à l'avenir. Quand tu te regardes dans tes films, qu'est-ce qui te passe par l'esprit ? En général, j'ai toujours l'autocritique. Hein. Je trouve toujours le détail, l'imperfection. Les gens me disent non, mais arrête, j'ai trop perfectionné, c'est tout. Mais déjà, quand je tourne, je fatigue le réalisateur parce que je ne suis jamais satisfaite d'une scène. Donc, je suis toujours un peu en train de l'embêter pour dire est-ce que tu es sûre qu'on ne va pas la reprendre ? Je peux faire mieux. Mais alors, quand je me vois à la télé, effectivement, je me dis ah non, ça par contre, il y a un souci, je devrais faire mieux. Ça, il y a un cheveu qui est sorti. Ah non, non, non. Je pense que ça doit être un défaut. Je suis assez perfectionniste. Un défaut ? Non, ce n'est pas un défaut. Ça peut être un défaut. Ça peut être un défaut. Quand je pense on exagère, que j'exagère oui. souvent. Mais je pense que c'est mieux d'être perfectionniste. Ouais, que ne pas l'être. Dis-nous quelle a été pour toi la meilleure expérience dans un film. Quel est le meilleur film que tu aies fait? J'en ai beaucoup. Vraiment, je ne peux pas dire qu'il y en a. Chaque tournage a son lot d'émotions, d'expériences. Mais j'avoue que ce qui m'a le plus marqué, on va dire, ce sont mes tournages à l'étranger. J'ai eu à tourner Brother.com 3 en France, une partie en tout cas à Marseille, avec deux équipes, donc l'équipe ivoirienne et l'équipe française. Ça a été une belle expérience aussi. Il y a eu aussi The CEO, où j'ai tourné à Lagos pendant un mois en immersion totale. L'avant-première qui était une avant-première des plus magnifiques. On a fait une avant-première à l'aéroport de Lagos. On a pris, à l'époque, c'était une compagnie aérienne très connue d'ailleurs qui était sponsor. On a fait l'avant-première dans l'avion en première classe. Wow. Et on a atterri à Paris. Et le lendemain, on faisait la projection à la Nollywood Week.
Ça a été pour moi voilà, éblouissant, oui. C'était magnifique. Mais surtout que les Nigériens, ils font rien de ils petit. Ils font hein. rien de petit, ça j'avoue. Vraiment rien. Ils font rien de petit, surtout le réalisateur Kulen Afolayan, qui est quand même un des réalisateurs les plus connus là-bas. Vraiment, il n'a pas fait les choses, on l'a fait les choses en grand. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est pour moi inoubliable. Après, il y en a tellement. Je dirais aussi que j'ai tourné, enfin, j'ai participé à Fort Boyard l'année dernière. Ça aussi, j'ai fait le saut à l'élastique. C'était ah bon ? Un truc de fou, ouais. C'était magnifique. Moi, j'aime bien les dangers, j'aime bien les challenges, j'aime bien les trucs. Donc, et je leur ai dit, si je participe, je veux faire du saut à l'élastique. Alors, débrouillez-vous, mais mettez-moi là. Et quand j'étais en face du truc, j'ai dit, bon, finalement... je ne sais pas si c'est une idée assez sûre. Non, non, t'es en sécurité, il n'y a pas de souci. J'ai dit, d'accord. Tu l'avais okay, je l'ai fait. Waouh. C'était génial. Mais c'est bien de se donner. Parfois, on se surpasse. C'est des manières de se surpasser, en fait. C'est ça. Et après, qui t'encouragent, même dans la vie, après. Parce que quand tu as fait des choses comme ça, tu te dis, mais j'ai plus peur de rien, en fait. En fait, c'est ça. C'est que, je ne sais plus comment on le disait, le dicton, mais la plus belle chose de la vie vient après la barrière de la peur. Parce que ce que tu veux entreprendre, ce que tu veux faire, si tu as peur, tu restes cantonné à ce mur de peur, bah tu n'y arriveras pas. Exactement. Alors que juste si tu dépasses cette peur et que tu te dis je peux le faire, peu importe les moyens, peu importe, eh ben finalement les portes s'ouvrent. Exactement. Voilà quoi. Donc tu es mannequin. Tu as été. J'étais. Voilà, tu étais mannequin, actrice. Tu as été cooptée récemment par NCI. Oui. Pour une émission, oui. Et tu es aussi agent immobilier. Oui. Comment tu gères tout ça? Ah. Là, c'est beaucoup de choses. Oui. J'avoue. Beaucoup de choses. J'avoue. C'est beaucoup de choses. Mais... Et qu'est-ce que tu préfères faire dans ces, parmi ces activités? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Alors, forcément, c'est clair que l'audiovisuel a une place importante dans ma vie. Parce que je l'ai fait, ça veut dire, on va dire que depuis 12 ans maintenant, j'y suis, de tous les domaines. Hein, télévision, émission de télé, cinéma, série, etc. C'est vrai que l'audiovisuel est pour moi quelque chose d'important dans ma vie. Mais n'empêche que l'immobilier, je suis quelqu'un qui aime rencontrer des gens, je suis quelqu'un qui aime voir du monde, me faire des contacts, prouver de quoi je suis capable. Donc pour moi, du moment que je suis entourée, que je rencontre des gens, de nouvelles personnes, voilà, pour moi c'est bien. C'est pour moi ça aussi, c'est quelque chose. Hein. C'est ce qui m'inspire, voilà, voir des gens. Par exemple, dans l'immobilier, effectivement, je vois de belles maisons, je vois de belles choses. Et des personnes, justement, qui racontent derrière leur histoire comment ils en sont arrivés là, comment ils ont construit, quand ils font de belles choses et tout, ça inspire et ça nous donne aussi envie de se battre comme eux pour y arriver. Donc, parle-nous du dernier film sur lequel tu es en train de travailler là. Alors là, je suis donc dans la dernière production du réalisateur Hyacinthe Onsou, qui avait justement à l'époque fait le film Jusqu'au bout. C'est un film qui s'appelle Jagasa. C'est un film, bon, je ne peux pas forcément donner trop de détails maintenant, mais c'est un film qui est vraiment très très poignant, qui va être émouvant, d'une qualité, je dirais, d'une qualité exceptionnelle. Et je pense que normalement, la sortie est prévue pour 2021. Et tu seras invité à l'avant-première, évidemment. Bon, je me calme. Merci. Merci beaucoup. Et en ce moment, il y a une autre émission. Un film dans lequel tu as tourné, Yellow Paper. Alors ça, c'est une série. Une série dans laquelle j'ai joué, donc qui a été tournée au Ghana, par une dont la réalisatrice est Shirley Frippon-Wanso, qui est une très grande réalisatrice au Ghana. Qui raconte l'histoire de 5 femmes qui vivent dans un immeuble, un peu l'équivalent de la Desperate Housewife à l'africaine, et qui vivent des péripéties dans leur vie, mais qui finalement se retrouvent dans, on va dire, l'idée en fait, c'est que ce sont des femmes qui sont, on va dire, qui s'entraident, voilà, qui s'entraident, qui s'apportent de l'aide. Voilà, c'est une sorte de sororité en guillemets, mais chacune d'entre elles a sa vie, a son lot de, comment on dit, de défis, de problèmes. Et je joue le rôle de d'Aïda, qui est une banquière, voilà, mariée, mère de 2 enfants, assez perfectionniste, très perfectionniste. Ça te ressemble quelque part, un petit peu, mais alors elle, c'est un niveau un peu plus élevé, hein, pire que tout, et qui elle aussi a son lot de problèmes, voilà. Donc il y en a fait une première saison, la deuxième saison qui est diffusée sur une chaîne actuellement.
D'accord. On va regarder ça aussi. On suit ça de très près. J'espère. Alors, parle-nous un peu côté personnel. Alors, tu es mère, mariée. Explique-nous un peu ton quotidien avec... on n'oublie pas que tu as ce chapeau d'actrice, de mannequin parfois, d'agent immobilier. Je dirais plutôt mère célibataire, de deux garçons très dynamiques. En tout cas, malgré toutes mes activités, ma priorité reste bien sûr mes enfants. Je prends toujours le temps le soir de rentrer, de passer du temps avec eux avant de dormir, de prendre des infos sur leur journée. Et puis quand l'occasion m'est donnée, c'est vraiment de pouvoir sortir, me promener avec eux. Vraiment, c'est vrai que malgré toutes ces activités, je tiens quand même à les voir grandir. Et pour moi, c'est pour eux que je me bats en fait tous les jours. Hein. C'est pour eux parce que je pense que si je n'avais pas mes enfants... Je ferais ça, mais je ne serais pas aussi motivée. Oui. Voilà. Donc, et quand ils voient leur maman à la télé, c'est la chose la plus belle que je sois parce que je vois les lumières dans leurs yeux qui disent « Ah, mais maman, c'est toi qui passes et tout. » Et puis, ils sont là. Et quand ils ne me voient pas à la télé pendant peut-être 2 ou 3 mois, ils me disent « Mais maman, quand est-ce que tu passes à la télé? C'est quand le prochain projet ?» J'ai dit « T'inquiète, mon fils, ça vient. » Donc, voilà. C'est bien, c'est bien. Alors, sujet d'actualité. Le divorce en Afrique. Avec le regard des autres, c'est une situation qui se vit difficilement. Parle-nous un peu de ton opinion sur ça. On va dire que moi, personnellement, je n'ai pas forcément d'opinion dessus, tout en sachant que les personnes qui ont une idée blasée de cette question ne savent pas forcément pourquoi les gens divorcent. Souvent, il est beaucoup plus intéressant de voir deux personnes se séparer et être heureux, plutôt que deux personnes qui vivent ensemble et être malheureux. Donc moi, mon avis, c'est ça. Et les gens, c'est vrai qu'on est dans un « mood », entre guillemets, ou dans un environnement où la femme doit être cantonnée à son rôle de femme, qui doit supporter un peu toutes les dérives, etc. Et ça peut être vice-versa, hein, comme on dit. Hein. Mais je pense qu'à un moment donné, quand deux personnes ne sont plus heureuses ensemble et qu'elles ont tout essayé pour y arriver, qu'elles n'y sont pas arrivées, la chose la mieux à faire, parce que je pense qu'on n'a qu'une seule vie, c'est de vivre heureux. Et c'est le plus important. Pour moi, c'est le plus important. Tu as eu à faire une séparation. Ça a été... Comment tu as vécu ça difficilement? Alors, on va dire que ça a été forcément très dur. Hein. Une séparation, ça ne se fait pas aussi très facilement. Enfin, je ne pense pas que quelqu'un aujourd'hui, comme on dit chez nous, ça a été un goumin. Mais je pense qu'au bout d'un certain nombre d'années, il faut tourner la page, passer à autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, je suis passée à autre chose. Parle-nous maintenant de ta carrière, parce que tu es aussi agent immobilier. Explique-nous. Alors, comment en fait on est passé d'actrice à agent immobilier? C'est ça la question. Alors, ma mère a fait 20 ans dans ce domaine. Elle est expérimentée, elle a été directrice de plusieurs agences ici. Et c'est vrai qu'il est arrivé un moment donné où ma mère ne travaillait plus. Elle avait démissionné de son ancien poste. Et j'ai eu l'idée de lui dire, écoute, on a assez travaillé pour les gens, toi et moi. Je préfère m'engueuler avec toi. Qu'avec d'autres personnes. Et au moins, si l'argent rentre, c'est dans la famille. Voilà, c'est l'idée générale, elle est venue. Et en plus de ça, j'avais quand même une très bonne expérience de commercial. Hein. J'ai quand même travaillé dans des boîtes. Et je me suis dit, bon, on se lance. Tu es bien dans l'administratif, tu t'y connais très bien. Moi, je suis déjà quelqu'un qui aime les contacts. Donc, je vais sur le terrain et toi, tu gères les dossiers. Et c'est vrai qu'à l'époque, on a voulu sortir un petit peu de on a voulu se positionner parce que il y a plein d'agences immobilières à Abidjan, chaque agence a ses propres contacts, donc comment se démarquer un petit peu des autres. On a décidé de positionner notre agence comme une agence de haut standing qui fait que du neuf, que du beau, que du luxe. Voilà, et c'est comme... Bon, après, on fait un peu de tout, mais c'est vrai qu'on maximise vraiment nos biens que dans le nouveau parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus vendeur.
Et bien sûr, qui attire une cible que nous, on recherche, qui est une cible de personnes pouvant justement louer ou acheter ce type de bien en particulier. Donc, ça fait 5 ans maintenant qu'on est dans cette aventure, que je suis dans l'immobilier, parce que ma mère plus, on va dire 25 ans maintenant. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que je suis tombée dedans. Et ça me plaît aussi, ça me plaît aussi, parce que j'aime, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime rencontrer des gens, j'aime connaître leur histoire. J'aime proposer aussi, j'aime prouver aussi de quoi je suis capable et que c'est pas forcément ma petite tête d'actrice qui fait vendre. D'ailleurs, au début, ça n'a pas été très facile, j'avoue, parce que les gens s'imaginaient que, moi je m'imaginais plutôt, que avec ma, on va dire, ma notoriété d'actrice, les gens fassent confiance. Non, alors ça a été le contraire. J'ai dû faire mes preuves, j'ai dû montrer de quoi j'étais capable. Et maintenant, depuis quelques temps maintenant, effectivement, c'est par la grâce de Dieu, ça tourne. Et voilà, on espère que... En tout cas, j'ai une très bonne vision de ce que je veux pour cette agence et pour ma vie de manière générale. Mais j'espère que ça va aller de mieux en mieux. J'ai aussi cette crainte de Dieu qui fait que je ne peux rien... Je me dis, je fonce. Moi, je me dis qu'il y a juste quelqu'un en haut qui me regarde et qui me protège et qui me recadre et qui me dit... et voilà, j'ai cette foi qui me dit, bon, on est déjà né, vaut mieux y aller, mais faire les choses bien et pour le bien de... On va dire pour son bien-être, mais aussi pour le bien de la communauté. Donc, parle-nous justement de cette expérience échec, en fait. Parce que, bon, j'imagine que... Il y a eu peut-être des castings que tu as fait, tu voulais passer dans un film et on t'a pas prise. Ah. Il y a eu des situations où tout ne s'est pas toujours bien passé. Parle-nous un peu de ça. Ça, c'est clair que ça n'a pas été facile. Hein. J'ai eu une anecdote d'ailleurs pour le cinéma où j'ai fait un casting. C'était dans mes débuts, dans mes tout premiers castings, où le réalisateur m'avait sélectionné pour jouer dans sa série. Et j'avais même reçu le scénario, j'avais commencé à travailler dessus et tout. Et moi, bon, à l'époque, je crois que j'étais... Bon, ici, la majorité, c'est 21 ans. Donc, j'avais 19 ans, il fallait quand même que je donne la vie à ma mère. Et donc, j'ai donné le contrat à maman et elle m'a dit, bon, écoute, il y a une petite clause là qui me dérange, essaye de voir si tu peux la modifier ou si le réalisateur est d'accord pour la changer. Donc moi, bien sûr, je n'étais pas connue, j'arrive avec cette clause en disant, bon, monsieur, voilà, j'ai demandé l'avis quand même à ma mère, est-ce que vous pouvez changer ça et tout. Il m'a dit, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas la peine. D'ailleurs, même je ne vous veux plus, rendez mon scénario, c'est pas la peine. Je lui ai dit, non, mais attendez, on est juste en train de négocier. Il dit, non, je n'ai plus besoin de vous, donnez-moi mon scénario. Ah, monsieur, de récupérer son scénario. Madame, je suis occupée, au revoir. J'étais comme ça. Je suis sortie du bureau en pleurs, mais en pleurs, j'avoue. J'ai eu aussi des castings où à l'époque on était jeunes, bon après comme on dit c'était pas les parents, ils nous regardaient faire, hein. Ils n'étaient pas les premiers à nous motiver, à dire bon tiens l'argent, prends, voilà, donc c'était un petit peu sur l'argent de poche. Et ce jour-là, je crois que j'avais quoi, 2000 francs sur moi. J'étais sélectionnée pour jouer en tant que figurante dans une campagne de pub. D'accord. Et j'arrive, c'était le shooting était au plateau et on a été convoqué à 17h. Donc je prends moi, parce que moi pour moi je me suis dit après, on m'avait confirmé que après le tournage on recevait le cachet. Donc pour moi je repartais avec 2000, mais je revenais à moi avec un petit quelque chose. C'était insignifiant, mais au moins je revenais avec quelque chose. Et j'arrive, il est 17h, j'arrive à l'heure et il n'y a personne, il n'y a pas un caméraman, il n'y a personne. Et je suis là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont passés où? Donc j'appelle la représentante de la marque et tout. Je dis, mais je suis là. Ah non, il y a des contretemps. Finalement, le tournage est à 21h, il faut revenir à 21h. Je dis, ah! Comment déjà je vais expliquer à ma mère que je n'ai pas d'argent, mais comment elle va me laisser même sortir pour aller à 21h? Donc je suis arrivée à la maison. J'expliquais à maman, elle n'était pas contente du tout. Je dis, maman, laisse. Pardon, donne-moi le transport, laisse, je vais te rembourser. Non, elle a parlé pendant 30 minutes dans mes oreilles, comme toutes les mamans d'ailleurs. Je suis partie. Et à 21h, j'arrive, ils étaient en train de mettre en place les choses avec du retard. Et je me mets dans mon petit bureau à l'arrière, parce que je suis figurante. L'actrice principale est complètement devant. Et puis, à un moment donné, on dit action, mais l'actrice principale n'arrivait pas du tout à rentrer dans le rôle. Elle devait dire juste une phrase de 20 secondes, mais elle n'arrivait pas.
elle n'arrivait pas à rendre ce que le réalisateur disait. Et puis moi, derrière, je m'éclatais sur mon clavier. Je devais jouer l'opératrice téléphonique, en fait. Donc, je m'amusais, je jouais avec mon clavier. Et à un moment donné, il dit, bon, c'est bon, madame, c'est pas la peine. Vous, là-bas? Je dis, qui? Moi. Oui. Venez, on va vous essayer, là, on va vous essayer. Donc, du coup, je prends la place de la dame. Et on me dit, action. En 3 minutes, c'était fini. Wow. En 3 minutes, il dit, c'est bon, on a ce qu'on veut, c'est pas la peine, c'est fini, on remballe. Ah bon, c'est tout? Ah oui, c'est tout, c'est tout. Et c'est justement ce réalisateur qui a été un des premiers. Il y en a d'autres qui m'ont motivé, hein. Mais c'est ce réalisateur-là qui m'a mis la puce à l'oreille. Il m'a dit, toi, tu devrais faire un peu de cinéma parce que tu es bien, tu es à l'aise dans le truc. Franchement, c'est bien, je t'encourage. Et du coup, mon cachet, il a doublé. Ah, waouh. Parce que du coup, j'ai le remboursé. Donc, tu as plus que remboursé. Il t'est resté même de la monnaie. Je suis fière, j'ai dit, oh, pardon. Tu disais quoi, là, en fait? Donc, du coup, ouais, non, ça a été... Là, je suis émue, même quand je parle de ça, parce que ça a été une belle expérience. Donc, pour dire, en fait, que... Il y a des... C'est pas... Faut pas qu'on pense que, voilà, on s'appelle Aurélie Eliam, parce qu'on s'appelle Aurélie Eliam, c'est... Rien n'est facile, même jusqu'à présent, on a toujours notre lot de luttes. Parce que à chaque niveau d'ambition, il y a son niveau de lutte. Plus on avance, plus il y a des difficultés. Donc, quand on voit les gens arriver à un certain niveau, on se dit, mais comment ils ont fait, que c'est facile? Non, ce n'est pas aussi facile que ça, surtout quand on passe par la petite porte, surtout quand on n'est pas forcément, on ne tombe pas, entre guillemets, dans la facilité. Non, c'est encore plus difficile. Donc, mais bon, ça reste quand même... Comme on dit, qu'est-ce que serait la vie sans problème, sans difficulté, finalement? C'est vrai que c'est dur, souvent on pleure à Dieu, on dit, mais on t'a fait quoi et tout. Mais les gens, ils voient que le beau, ils voient que quand on fait un shooting, qu'on fait des photos, qu'on poste sur Instagram. Exactement. Et tout, alors que non. C'est ça. Derrière, il y a pour y a tout travail, le monde. Ouais. Et je m'amuse à dire souvent, mais celui qui a 10 000, il a problème de 12 000. Ouais. Celui qui a 1 million, il a problème de 2 millions. Donc, bon. Chacun à son niveau. Assez, voilà. Chacun à son niveau. Arrêtons d'envier les tout autres. Et puis, quand tu es concentré sur toi et que tu veux y arriver, tu peux, quoi. Tout à fait, tout à voilà. fait. Merci à toi. Merci à Aïssata. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous de m'avoir invité. On va passer à la section cadeau. Ah bon? Oh oui. Ah non, sérieusement? Oui. Il y a des cadeaux? Oui, il y a des cadeaux. Ah, j'adore. Des entrepreneurs, les cadeaux. Des entrepreneurs africains. D'accord. Alors, on fait la promotion des entrepreneurs africains. D'accord, ok. Et donc, qu'est-ce qu'on a sélectionné pour toi aujourd'hui? Plusieurs choses, hein, plusieurs choses, plusieurs j'adore choses. Les cadeaux. Alors, d'abord, il y a des bijoux. Oh non. Tu aimes les bijoux quand même? Oui, bien sûr. Ah, bah, parce que je... On ne sait jamais, hein? Non, je rigole. Quelle femme n'aime pas les bijoux? Wow. Alors, ça, c'est Akija mais Connection. Mais oui, je connais un petit peu. Tu connais? Mais oui. Alors, c'est un choker. Oh là là, attends, je le mets tout de oui, suite. Oui, voilà. En plus, elle sait que j'aime beaucoup ce truc, ce collier. Je l'avais dit en plus que je comptais le prendre en plus. Oh, donc ça tombe bien alors. Oui. Ah, mais heureusement que tu n'as pas pris. J'adore. Bah, heureusement, et... voilà. Par contre, attends, il faut que j'enlève. Avec le bracelet. Yeah. Waouh. Mmh. Attends, je le mets là ou je le mets là? Qu'est-ce qui irait mieux? Avec deux bracelets ou avec oui, un ça, c'est, plus ouais, c'est plus joli. Ouais, hein. Ouais. Très joli. Est-ce qu'il va avec le... Non, mais par contre, les boucles d'oreilles, je sais pas. Non, mais bon, c'est pas grave. C'est juste ouais. pour mon séjour. Pour c'est bon. Merci. J'adore ce collier. Ouais, il est magnifique. J'adore. Non, mais franchement, j'adore. J'adore. Elle-même, elle le sait, là. J'adore ce collier. Ouais. Super. Donc, et puis, alors, on t'a pris... Aurélie, quand tu parlais des ongles. On t'a pris... Alors, doigts de fée. Je pense que je vais avoir tout le temps la bouche ouverte jusqu'à la fin. Avec tous ces cadeaux. Voilà, c'est une onglerie en zone. D'accord. Okay. Alors, tu pourras aller faire ce que tu veux pour les ongles. D'accord. Manicure, pédicure, pose de faux ongles, enfin ce que tu veux. Merci, voilà. Merci beaucoup. Voilà. C'est vrai qu'en plus, j'en ai besoin. Mais bon, pour des besoins de tournage, je n'ai pas. Donc, je précise que pour des besoins de tournage, je suis obligée. Mais en fait, on veut surtout faire sa promotion aussi. Ah non, mais merci. Parce que c'est une jeune dame ivoirienne ouais. qui a ouvert son salon. Oh, de, merci. De, oh là là. Oh, le truc. Alors, le dernier là. Cadeau. Ton sac cabas de plage que tu pourras utiliser quand tu veux. C'est magnifique en c'est plus. C'est Makeda. De Makeda. Voilà. Donc merci. Tu as tout ce dont tu as besoin là. On espère que tu aimes tout ça. Tu es gâtée? Merci. Moi, je fais un gros bisou. Vraiment, je suis très gâtée. Merci à toutes et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Afrique Femmes.